le cultive dans un climat serein. On aligne souvent, parce que ça dépend des équipes et de l'enjeu. L'objectif de la séance cet après-midi, c'était d'interpeller les jeunes sur les conditions qui permettent de mieux préparer, mieux aborder et mieux vivre un match. Un match étant un peu plus qu'un match, et un match c'est un moment où on rencontre un adversaire dont on a besoin pour faire une partie et avoir l'objectif de marquer un but de plus que l'adversaire, ça ne doit pas prendre sur tout le reste. C'est-à-dire que le but du jeu c'est de rencontrer d'autres personnes et de vivre des aventures humaines qu'on gardera très longtemps à l'intérieur de soi. C'est travail de groupe, tout ça, ça a appris à plus nous connaître. Et puis, le sujet était intéressant. D'après moi, le respect, il est, ça doit être normal. Il faut avoir un respect mutuel entre les parents, l'arbitre, accepter les décisions qu'il prend. On le fait déjà un peu avec le coach. Cet après-midi, en fait, les questions étaient orientées autour de les jeunes, comment ils ressentent le climat, est-ce que c'est serein ou pas, et quelles sont les raisons, qu'ils puissent identifier les raisons qui font que le climat il est serein ou pas, quel type de relations ils entretiennent avec les arbitres, quel type de relations ils entretiennent avec leurs partenaires, avec leurs adversaires, et comment ils se préparent dans la semaine pour pouvoir mieux vivre ce match avec le coach et le staff.